S'y avoir deux ou trois repas par jour pour certaines familles est un fait banal ou même un acquis. Cela n'a pas été le cas pour le couple Blé qui a connu une pauvreté extrême et plusieurs difficultés. Ayant donné leur vie à Jésus, ils vont découvrir quelques années plus tard la cause de leur calvaire, des démons qui eux aussi avaient un appui dans leur vie pour agir. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Vie Transformée qui vous plonge au cœur de l'histoire du couple Blé qui est donc passé de la boue à la table des grands. Et donc, je reçois pour vous le couple Blé en la personne de Blé Sogo, Jacques, et de Blé Alice. Merci d'être sur le plateau. Bonsoir, frère Jacques. Bonsoir, Alice. Bonsoir, Pasteur Yubo. Merci beaucoup. Et là, c'est un plaisir. Nous savons que la pauvreté est une réalité dans notre société. Sûrement, tous ceux qui nous écoutent en ce moment veulent découvrir comment le Seigneur Jésus-Christ a agi dans votre vie. Et tout à l'heure, pendant que je parlais dans mon introduction, j'en ai même parlé de la cause. Nous allons donc déjà à partir de la rencontre, votre rencontre bien sûr, qui a permis que vous soyez couple. Par la suite, on verra aussi comment même vous avez donné la vie à Jésus, comment vous avez connu des difficultés et aussi comment le Seigneur vous a fait sortir de toutes ces difficultés. Nous allons donc pendant tout ce temps d'entretien, nous allons entrer en profondeur et sûrement nous serons bénis à partir de tous vos différents dits dans votre témoignage. Mais avant tout, parlons d'abord de qui est le couple Blé. J'ai là Blé Sogo Jacques qui est docteur en sociologie. Il est enseignant-chercheur de sociologie à l'Université de Boaké. Il est donc aussi de la zone spirituelle de Kumasi. Il est là de la CMCI. Oui. Il est aussi responsable de secteur dans cette même zone et ministre de la délivrance. C'est ça. Merci beaucoup. Et à ses côtés, son épouse Blé Alice, qui est assistante de direction. Elle est de la zone spirituelle d'Adjamé. Bien ça? C'est ça. Merci donc d'être là encore. Et là, nous entrons, nous partons tout droit. La première chose, c'est qu'en tant que couple, vous avez connu beaucoup de difficultés et une pauvreté extrême. D'abord, cherchons à savoir quelle est l'histoire cachée derrière cette relation. Comment êtes-vous devenu couple? Et par la suite, puisqu'il y a une coïncidence, j'ai quand même eu le temps de vous écouter. Cette coïncidence, c'est le fait qu'il y a aussi cette capacité, ou du moins vous avez eu à donner la vie à Jésus durant cette période. Donc, en même temps, on aura l'occasion de savoir comment vous êtes devenu couple et comment aussi vous avez donné votre vie à Jésus. Tout d'abord, la parole à Jacques. Merci beaucoup, pasteur. C'est pour nous un privilège d'être à ce numéro de Vie Transformée. Vie Transformée. Merci beaucoup. Pour répondre à la question, il faut dire que nous étions dans une église. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Alice, qui est devenue aujourd'hui mon épouse. D'accord. Voilà. Et puis, chemin faisant, je devais aller à la mairie pour prendre le quitus, c'est-à-dire avoir l'aval du maire pour faire mes recherches au marché de Benjerville, puisque ma thèse, l'objectif de ma thèse, c'était de mener l'enquête sur le marché de Benjerville en ce qui concerne le prix des produits de première nécessité, en l'occurrence les légumes. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2015 déjà. En 2015, donc tu étais en année de thèse. Voilà, en 2015, en année de thèse. Okay. Et c'est là-bas que le pasteur Kimon, qui était agent de la mairie en ce temps-là, m'approche pour me prêcher le vrai évangile de la repentance. Un évangile que je n'avais pas connu par le passé. Et quelques points m'ont frappé. C'est ça. Il y avait la transparence dont il a parlé. Il y avait l'abandon du péché, c'est-à-dire qu'il me parlait que Dieu donne à l'homme la capacité d'abandonner le péché, de sorte que de là, tu ne peux plus pécher. Ça m'avait frappé. Et puis, il a parlé aussi de la restitution. Donc, j'ai partagé ça avec Alice. Et puis, elle a adhéré au projet. Et nous sommes entrés dans la repentance. Donc, dans cette période, vous étiez en quelque sorte fiancé? Ou on ne dira pas fiancé? Avant la repentance, nous n'étions même pas fiancés, nous étions des copains et copines.
Donc, vous étiez dans la dans même église, péché. Dans la même église, et vous étiez copains, copines. Nous étions dans la... Et puis, c'est une grande église, mais nous étions des pécheurs déclarés, parce que ce n'était pas du faux. Je veux dire que ce n'était pas du caché qu'on faisait. À l'église, on était copains, copines, et puis, bon, ce n'est pas quelque chose de beaucoup sanctionné. Hein. C'est-à-dire, les responsables savaient que vous étiez copains, copines. C'est bien ça, non? Certains frères, tous ceux qui nous fréquentaient, en tout cas. Tous ceux, c'est ça. Dans l'église. Pas que ça allait au niveau des responsables, mais notre petit entourage, les frères, les amis qui nous fréquentaient là, eux-mêmes nous ont aidés à... Dans tous les cas, ce n'était pas caché. Voilà, c'était pas donc caché. Avec le message donné par le pasteur Kimo, tu t'es senti directement concerné? Je me suis senti indexé au plus haut niveau. Et j'ai coupé cette relation de péché avec Alice. Et donc, il t'avait fait comprendre que c'était un péché. Oui, il m'a dit que le péché est une chaîne à mon pied qui me conduit à la mort, qui est en train de m'entraîner à la mort. Donc, j'étais dans une église où je pensais être un vrai chrétien parce que j'étais aussi responsable dans la jeunesse. J'étais bien vu. Et elle était monitrice en ce temps-là. Dans cette église-là. Donc, vous deux, vous avez des responsabilités, oui. Mais vous viviez dans le péché. On donnera la parole à Alice. Et il est donc venu t'annoncer, te donner ce message. Comment est-ce que tu as eu à gérer? Comment tu as supporté ça? Ok, merci bien, pasteur. Bon, quand il est venu m'annoncer la nouvelle, vraiment, j'étais abattue. Et je lui ai dit que moi, je n'ai pas connu, à part lui, je n'ai pas connu d'autres hommes. Voilà. Que je n'ai même pas désiré avoir, chose comme on appelle, vivre une vie de débauche, avoir plusieurs gars. Non, non, non. Quand il est venu m'annoncer cette nouvelle, vraiment, je n'ai pas pu digérer. Et j'ai commencé à couler les larmes. Et il me disait, non, il ne faut pas. Non, je n'ai pas. Je continuais toujours de couler les larmes. Et à la suite de cela, bon, il a essayé de me consoler pour dire que. Si tu veux qu'on soit ensemble, c'est que tu dois faire la repentance. Et c'est comme ça que, bon, je n'avais pas le choix. Et je lui ai dit que bon, je suis monitrice. Ou tu connais, je suis monitrice. Que quand il y a des réunions, c'est moi qu'on prend pour aller représenter l'équipe. Donc vraiment, ça sera difficile pour moi. Et c'est comme ça que nous avons continué. Et... À la suite, quand nous sommes partis, bon, j'ai accepté de faire la repentance. J'ai fait la repentance avant lui-même, bien sûr, et le baptême. Et à la suite de cela, les responsables de la communauté missionnaire chrétienne internationale, abrégé CMCI, nous ont dit que vous êtes ensemble, mais c'est pas, on ne vous donne pas l'assurance que vous allez vous marier. Parce qu'il y a eu plusieurs cas comme ça, et il y a eu des séparations, chacun est parti de son côté. Donc, on ne nous donne pas la certitude. Et c'est comme ça qu'on a continué. Puis... Une chose est claire, Jacques, vous avez des alliances à vos annulaires gauches. Donc, vous êtes mariés. Mmh. Comment les choses se sont donc passées? Si on peut rapidement passer là-dessus. Comment les choses se sont passées? Tout à l'heure, on a essayé d'élaborer un peu les difficultés, le fait que vous devriez être séparés parce que c'est une relation qui est née dans le péché. Donc, il fallait vous séparer et régulariser chacun même sa propre vie devant Dieu. Mais une chose est claire, c'est que ce que nous constatons, c'est que vous êtes mariés. Que s'est-il passé par la suite succinctement? Donc, maintenant, nous sommes à la CMCI. Et là, comme vous venez de le dire, nous sommes séparés. Mais après, par la grâce de Dieu, nous avons été voir les faiseurs des disciples. Je suis allé voir les faiseurs des disciples pour dire que vraiment... Je vais continuer le projet de mariage avec elle. Et ça a pris le circuit normal à la CMCI. Les faisaient des disciples se sont rencontrés. Ils ont échangé entre eux. On a prié. On s'est mis en prière. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Et puis, les faisaient des disciples ont libéré le dossier. À partir de là, nous avons été présentés à Gamay ici. Donc, à partir de cette présentation, nous avons été déclarés fiancés devant Dieu et devant les hommes. C'est ça. Et de ce point de vue-là, il fallait maintenant arriver au marais. Il n'y avait pas d'argent. Donc, elle était à Divo, moi ici à Benjaville, et je lui ai dit, il faut qu'on rentre dans un jeûne.
J'ai déjà écouté beaucoup de témoignages. Là, je propose pour moi un jeune de 2 ans renouvelable, partiel. Elle a dit, je vais t'accompagner, mais je ne pourrais pas faire un long jeûne comme toi. Mais vous jeûniez pourquoi? On jeûnait pour que, premièrement, dans ce jeûne-là, il y avait un petit de tout. Il y avait un peu de tout. C'est-à-dire la délivrance authentique du péché, la consécration à Dieu, le mariage, et puis les ouvertures de portes pour que la pauvreté qui nous taclait là disparaisse. Ah ok, donc déjà cette période, il n'y avait pas de stabilité financière, donc il fallait prier. Donc vous avez entamé un jeûne. Et le jeûne, c'est au 9e mois du jeûne. J'ai fait 9 mois parce qu'on venait des renversements des principautés. Et moi, j'ai continué en même temps le jeûne. Donc un peu plus de 200 jours. Hein. J'ai fait 270 jours de jeûne. Donc, c'est au 9e, et puis ça fait jour pour jour, c'est-à-dire 9 mois et clair. Mm-hmm. C'est au 9e mois que le Seigneur m'a répondu qu'il a accepté que je peux descendre du jeûne. Et quand je suis descendu du jeûne, à ce moment, elle avait fait 4 mois de jeûne, ça veut dire 120 jours. C'est ça. J'ai reçu un appel rapidement d'une institution qui me dit, est-ce que vous êtes disponible, Monsieur Blé, pour faire une enquête de 3 mois? J'ai dit oui, je suis disponible. Et de là, c'est parti. Avec une bonne rémunération. Une très bonne rémunération. Donc déjà, c'était un signe que Dieu exauce lorsqu'on s'élève dans la prière. Donc, tu fonces là dans cette enquête, pour ne pas dire ce boulot, oui. Mais cela est de courte durée. Oui, et c'est un travail de 3 mois, un contrat de 3 mois. Mais là, quelque chose s'est passé. C'était à Korogo, parce que nous avons sillonné toute la zone nord. Nous avons sillonné toute la zone nord. Donc, à Korogo, un certain jour, pendant l'enquête, pendant le travail, ma femme, en fait, ma fiancée m'appelle. Elle était fiancée alors. C'est ça. Elle m'appelle pour dire que sa dame de compagnie dit qu'elle a trop été dame de compagnie des sœurs de l'église, qui maintenant veut passer le relais à une autre sœur. Je me suis mis en colère. J'étais en colère et je parlais à ma femme comme... Ça veut dire que j'étais en colère contre cette dame-là, mais je parlais à ma femme comme si c'était elle qui était cette dame. Quand j'ai fini de manifester la colère, le même jour, mon portable a commencé à déconner. Et mes patrons m'appelaient, c'est-à-dire les responsables de l'étude. Ils m'appelaient, ils n'arrivaient pas à me joindre. Quand ça, je décroche, on ne fait pas quelques minutes et puis ça se coupe. Donc, ils étaient en colère contre moi par rapport au fait qu'ils n'arrivaient pas à me faire passer le message qu'eux ils voulaient. Donc ils sont descendus, ils sont arrivés sur le terrain de l'enquête, sur le terrain de l'étude et ils m'ont fait appel. J'étais alors le chef d'équipe et devant mon équipe, le travail n'était pas encore fini. Ils m'ont humilié, ils m'ont destitué non seulement de mon statut de chef, mais ils m'ont licencié. C'est-à-dire, a donc perdu. J'ai perdu le contrat devant mes, et ils ont pris un de mes petits pour le nommer chef. Et ils ont mis toute mon équipe sous la supervision d'un autre chef. Entre-temps, mes rapports étaient clairs, propres et bien faits. J'étais très exigeant sur le travail. Je suis très exigeant sur le travail. C'est quand ça. Il s'agit de travailler. Et ce même jour, puisque tu as parlé là de colère, est-ce que tu avais fait un lien avec cette manifestation de colère? Non. Au fait, la colère était comme liée à ma manière de fonctionner. Donc, je n'ai pas vite fait le lien. Je n'ai pas tout de suite fait le lien. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont méchants comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon téléphone qui déconne. J'ai supplié. On a dit, on a entendu on a entendu ton pardon, mais tu dois quitter le travail, tu t'en vas. C'est maintenant, et c'est sans prière, tout le même jour, j'ai quitté Korogo. Waouh. Et là, avant de poursuivre avec toi pour savoir ce qui s'est passé par la suite, on va donner la parole à Alice. Ce jour, ton mari parle. Est-ce que c'était la première fois qu'il s'exprime de cette manière, avec autant de colère? Non. Bon, il avait pour habitude, ça le fatiguait beaucoup. Et quand il y a une petite situation, il se met en colère.
une affaire qu'on peut digérer facilement. Des choses simples, tu es juste étonné. Voilà, il parle. Donc moi-même, ça me mettait mal à l'aise. Souvent, même dans la chambre, je le laisse. Et c'est comme ça. Et en ce moment, est-ce que tu faisais quelque chose? Je veux dire, est-ce que tu travaillais? Alors, en ce moment où il venait de perdre, nous étions en quelle année? En 2017. 2017. Oui, 2017. Est-ce que déjà tu avais un travail? Puisque lui venait de perdre le boulot. Est-ce que tu avais un travail? Bon, je me débrouillais dans une agence Orange Money avec un minable salaire petit. Alors que vous avez là le défi de vous marier. Vous êtes fiancé, vous devez vous marier, mais le mariage va effectivement arriver à l'existence en décembre, c'est bien ça? Oui, en 2017. Oui. Au fait, quand j'étais à Korogo, toute ma rémunération, je lui envoyais l'argent. C'est ça. Pour faire les préparatifs. On a fait les préparatifs du mariage dans le secret. On a travaillé seulement avec notre faiseur. Toute l'église même n'était pas au courant. Même l'église de Divo, c'est le pasteur seul qui était au courant. Donc, elle avait déjà fini tout. On avait pris la maison parce que j'avais quitté Benjerville pour le contrat, pour le travail. Et je lui ai dit de chercher une maison là-bas. Elle a pris la maison après le mariage où on va s'installer. Donc, tout était déjà prêt. Tout, même les habits des chiens, tout était déjà prêt. Les papiers à la mairie, tout. Et donc, c'est quand je suis descendu de Korogo que je suis arrivé à Divo. Et puis, bon, le mariage a eu lieu. Là, vous vous êtes marié le 27 décembre. Oui, on a fait la dot le 23. Et puis le 27. Ok, marié. Donc décembre 2017, vous êtes marié. Et une période très intéressante de votre vie, mais qui sera marquée aussi par d'intenses difficultés. On donnera la parole à tour de rôle. On va commencer par notre frère Jacques. Vous êtes maintenant marié. Parle-nous un peu de à quoi ressemblait le foyer dans cette période, de mariage. C'était la rose. Quand deux personnes viennent de se marier, on voyait tout en rose. Tout en rose. Oui. Seulement, on a été percuté par une situation, un événement. C'est que elle est tombée enceinte et à quelques mois de la grossesse, on dirait 3 ou 4 mois. Oui, 3 mois après le mariage, 3 mois après, j'ai contracté une grossesse. Bon, il reprend la partie. Oui, je disais que 3 mois après le mariage, j'ai contracté une grossesse. Et c'est par là que les difficultés ont commencé. Waouh. Oui, vas-y. Tu peux continuer. Ok. Donc, bon, 3 mois après la grossesse, j'ai vu que j'avais un peu... Il y avait du mal au niveau de mon ventre. Et il faut dire qu'il y a une nuit, le disciple de mon mari est venu à la maison. Et elle est venue, on a échangé, elle demandait après son faiseur. Et là, je disais qu'il était sorti, il était couché, des choses comme ça. Et on a échangé. Et quand elle s'est levée, elle a demandé la route, elle s'est levée. Sur le champ, en même temps, j'ai commencé à perdre du sang. Je sentais qu'il y a quelque chose qui descendait. En temps, j'étais aussi en train de travailler, comme j'avais mon agence, l'agence Orange. Voilà. Et c'est comme ça que je faisais des toffies, des petites choses que ça rapporte, puisque le salaire n'était pas consistant. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appelé la voisine. Et je lui ai dit, pardon, viens m'aider rapidement, on va finir ce que je suis en train de faire là. Mais je souffre, j'ai très mal. Et c'est comme ça qu'on a fini. Quand je me suis levée, le tabouret était plein de sang. Et je suis allée dans la maison. Et le sang, c'était la fausse couche qui avait commencé. Le sang sortait de ma partie intime comme des caillots de sang. Jusqu'à ça me secouait. Ça me secouait. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à mon mari. Et quand il est venu, il a commencé à prier. Et il avait les larmes aux yeux. Il priait, mais il avait les larmes aux yeux. Et vraiment, ça n'a pas été facile. À 2h du matin, et on a appelé mes parents, puisqu'ils ont un véhicule. À 2h, ils nous ont conduits à l'hôpital. Et c'est comme ça que les médecins m'ont emmené au bloc. Et au bloc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tout nettoyer, enlever les caillots de sang de mon ventre. Vraiment, j'ai senti une douleur, comme si ils étaient en train de déchirer les choses. Ok, déjà, en nous disant que ton époux pleurait,
ça montre déjà la gravité de la situation. On n'aurait pas forcément besoin de chercher à savoir comment il a vécu cette période. Le fait même qu'il pleure déjà montre que c'était vraiment une situation extrêmement difficile. Mais là, je te pose la question. Elle a parlé tout à l'heure de ton disciple, ce qui suppose que tu la connais mieux. Elle disait, quand elle s'est levée, elle a commencé à... Est-ce que, sûrement, elle faisait un lien? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette situation-là? Surtout qu'elle parle de ton disciple qui s'était levé. Oui, au fait, cette disciple-là avait, par le passé, un lien avec la sorcellerie du village. Et elle n'était pas mon disciple au préalable. Mais c'est quand je suis arrivé à Divo qu'elle a décidé que je sois son faisait de disciple. Donc ça a pris d'abord le chemin que ça devait prendre, c'est-à-dire qu'elle contacte son ancien faiseur, qu'on la libère de l'autre côté là-bas, que le dirigeant même de la zone de Divo soit au courant, tout ça, pour que ça arrive à moi. Seulement quand je devais commencer à la bâtir, j'ai fait un songe. Dans le songe, elle disait qu'elle voulait coucher avec moi, qu'elle était amoureuse de moi. Donc, quand elle est arrivée, elle-même, elle a dit dans le songe, il y a un autre songe, où elle dit qu'elle attend l'occasion que mon épouse décède pour qu'elle prenne la place. Donc, quand elle est arrivée, c'était pour la repentance. Je devais reprendre la repentance. Je lui ai demandé, est-ce que tu es amoureuse de moi? J'ai parlé clairement sans passer par là. Elle dit oui. J'ai dit comment? D'abord, elle a dit, est-ce que c'est un amour comme elle aime tous les hommes? J'ai dit, je suis allé droit au but. Est-ce que tu as un amour sexuel pour moi? Elle dit oui. J'ai dit effectivement, parce que j'ai vu ça dans les songes. Mais la relation qu'on doit avoir, c'est une relation typiquement de faiseur de disciples à disciples. Toi, tu es appelé à te marier. Moi, je suis déjà marié. Ici, ce n'est pas la fornication. Donc, j'ai mis les choses au clair. Est-ce que sur cette base-là, on peut continuer? Elle dit oui. Bon, mon affaire de pasteur a pris le dessus et puis j'ai continué à la bâtir. Et je l'ai averti, j'ai dit, mais il y a fait un deuxième son où tu as dit clairement que tu attends ton heure. Quand mon épouse va mourir, toi, tu vas prendre la place. J'ai fait ce songe. Là, elle n'a rien dit. Mais est-ce qu'elle a une fois affirmé qu'elle est sorcière? Est-ce qu'elle t'a une fois affirmé à toi qu'elle est sorcière? Elle a dit, avant la repentance, elle a dit des choses qui s'apparentent à la sorcellerie. C'est ça. Mais elle n'a pas dit que je suis sorcière. Elle n'a pas dit ça. Mais c'était des choses où elle a été vendue par son village paternel à son village maternel. Et là-bas, tout le monde venait la regarder. Elle était encore petite. Et on l'a envoyée dans la brousse où on lui a fait consommer physiquement. Ça, ce n'est pas des rêves. Physiquement, beaucoup de viennent dire que ce jour, ils ont tué beaucoup de... En brousse, là-bas, elles étaient une catégorie de personnes où on les a lavées, on lui a fait manger beaucoup de viande et toute la viande devait finir. Et puis, on est allé la laver. Je lui ai dit que mais c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça. Donc, il y avait un lien. Mais le Seigneur Jésus-Christ a eu à délivrer notre sœur de cette situation. Elle a eu la vie sauve. On continue, les difficultés se sont enchaînées. Quelles autres difficultés vous avez connues? Nous étions là en 2017. C'est quand ça. Cette difficulté s'est apparue. Dieu merci, ça a été géré. Donc, on a perdu l'enfant. Février 2019, on quitte Divo. Parce qu'on était à Divo. Maintenant, on vient ici à Abidjan, aux deux plateaux. Le micro. Mars 2019. En mars 2019, elle avait déjà contracté une grossesse. Une seconde grossesse. C'est ça. Mais là, les saignements ont repris. Mais ce n'était plus maintenant du bas. Elle vomissait le sang. Ma femme vomissait. Elle fait des gestes comme si elle va tousser. Mais ce qui sort là, c'est du sang. Uniquement que des cailloux de sang. Le salon même, on ne pouvait pas tenir dans le salon. Le bidet rempli de sang. Donc, on l'a envoyé d'abord à Hope Clinic. Je l'ai envoyé d'abord à Hope Clinic. Là-bas, on ne pouvait pas. On nous a demandé de l'envoyer aux urgences.
à Cocody, au chute de Cocody. Nous sommes arrivés là-bas, les urgences étaient pleines. On a dû batailler avec le Seigneur. J'ai appelé le pasteur Meunier qui nous a soutenus dans la prière. Et c'est comme ça qu'on nous a fait monter au 12e. Et au 12e là-bas, on nous a donné une chambre, c'est-à-dire un lit. Et c'est là-bas qu'on a bataillé pendant un mois durant contre la maladie. À un moment donné, le médecin m'a appelé pour dire « tu pries beaucoup ». Mais d'un moment à l'autre, il avait sa main comme ça, d'un moment à l'autre, ta femme et ton fils vont mourir. Parce que la maladie dont elle est atteinte là, elle ne peut pas vivre. Et il avait donné le nom? C'était une forme de tuberculose. Il dit que c'est une forme particulière de tuberculose. Donc au 12e étage du chute de Cocody, on traite les infections pulmonaires là-bas. Et avant même le COVID, nous, on devait porter des cache-nez pour ne pas être... Il m'a dit que si je m'entête, parce que souvent, je ne mettais pas le cache-nez. La situation était terrible. Il dit que lui, il est sûr que quand elle va quitter le lit, c'est moi qui vais être dans le lit. Que lui, il se prépare déjà à trois morts, c'est-à-dire elle, l'enfant, et puis après moi. Donc, de faire attention, si je vais vivre, de faire attention par rapport à elle. Qu'elle, pour elle, là, c'est déjà fini. Mais comment vous arrivez à gérer financièrement toutes ces difficultés que vous traversiez? En ce moment-là, c'était compliqué. Elle travaillait, mais elle ne pouvait plus puisqu'elle était malade. Mmh. Moi, c'est les contrats, mais pas toujours. Donc, c'est des petits contrats comme ça, mais pas toujours. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas eu de contrat. Donc, c'est l'église qui m'a aidé. Le pasteur Meunier, surtout. Voilà. C'est ça, le pasteur Meunier, le leader national de la CMCI. Le pasteur Meunier, le leader national de la CMCI, en Côte d'Ivoire, ici. Mm-hmm. Il nous a beaucoup porté. Et puis, il priait pour nous. Et quand je suis arrivé, vous savez, c'était une maladie où on dépense 25 à 35 000 par jour. 25 à 35 000. Ma femme était enceinte. Une fois, je suis quitté à la pharmacie, je suis revenu. J'ai regardé sur le lit, je n'ai rien vu. Pourtant, ma femme était couchée là. Et le diable m'a dit que bon, ta femme est morte, ils l'ont déjà envoyée à la banque. Ma femme, une femme enceinte, je regarde sur le lit, je ne l'ai pas vue. Tu ne l'as pas vue. Je ne l'ai pas vue. Elle était couverte entièrement du drap. Je ne sais pas qui a fait ça. Entièrement, jusqu'à la tête, tout. Donc après, une autre voix me dit, mais enlève le drap qui est sur le lit. J'enlève comme ça, je vois ma femme. Au fait, vous imaginez un peu la maigreur dans laquelle, l'état de maigreur dans lequel elle était arrivée. Une femme enceinte. Les dirigeants même qui étaient autour de moi, parce qu'elle a été guérie, m'ont dit après sa guérison que... Eux-mêmes là. Que on leur avait déjà briefé. Je ne veux pas dire le nom. Mm-hmm. Sinon, c'est un pasteur qui lui avait déjà briefé que ça ne peut pas aller, que j'allais perdre ma femme et mon fils. Parce qu'elle est passée au laser avec la grossesse. Et on m'a dit de signer comme un engagement que je dois prendre pour dire que si, parce que l'enfant dans le ventre ne doit pas passer au laser. En fait, c'est ce qu'on nous a dit là-bas. Moi, je ne maîtrise même pas l'affaire là. Mais j'ai dit que faites-la passer là où vous pensez la faire passer pour qu'elle soit guérie, pour qu'on puisse trouver la maladie. Mmh. Et elle est passée par là, frère. Elle est passée par là. Les gens mouraient dans la salle. Mais pendant que je priais, avant même ça, il y a son papa qui est quitté à Divo, spécialement, sans me prévenir. C'est quand il est arrivé à l'hôpital qu'il m'a dit qu'il est là, que de lui montrer c'est où. Et il est venu. Mais Dieu l'avait déjà précédé. Dieu l'a précédé comment? Comme je suis ministre du brisement des liens, le type du brisement des liens était déjà là, avant lui, le même jour. Eux, ils m'avaient appelé, ils étaient là. Et le papa de ma femme est venu. Ce jour-là, le papa Adoni, c'est un ministre de la délivrance, c'est un papa aussi. C'est un papa, mais c'est un ami à moi. Mm-hmm. C'est mon papa. Il m'a dit, Blé, comme il connaissait déjà la situation avec le papa de la soeur, il m'a dit, Blé, heureusement que le papa est là, officiellement encore, demande-lui encore pardon. Donc, je me suis mis à genoux et j'ai demandé encore pardon au papa de ma femme,
pour tout ce qui s'est passé concernant, parce qu'il n'était pas d'accord pour le mariage. C'est ça, c'est la précision qu'il faut faire. Voilà, il n'était pas d'accord. Donc, c'est pour ce désaccord-là pour le mariage-là que j'ai demandé pardon. Et il a dit une célèbre phrase, que c'est le pardon, voici ce qu'il a dit, c'est le pardon de blé, que Ali, c'est comme ça qu'il appelle sa fille, comment elle s'appelle Alice, il a appelé Ali. Il dit que Ali attend pour partir. Et on a demandé, nous tous, pour partir où? Là, on était sur pied de guerre maintenant. Il dit, mais pour mourir, on a jugé sa parole. Au nom de Jésus. Moi-même, j'étais même le premier même. J'ai dit, je te demande pardon. C'est pas pour ça. On a jugé sa parole. Il dit, laisse-moi parler. Il dit que tu es un papa. On te laissera parler au cas où tu retires ta parole. Et nous avons jugé cette parole-là. Après, j'ai fait un songe. Non, ce n'est pas un songe. J'ai reçu une parole pendant que je priais pour elle. J'ai coupé pour ne pas conduire cette affaire-là. J'ai reçu clairement de la part du Seigneur qui me dit, j'ai reçu une révélation. Dans la révélation, c'est clair. Jésus est la vie, la mort ne sera jamais la dernière parole. Donc, j'ai réveillé la nuit là, ma femme, pour dire qu'on est sauvés. Le Seigneur vient de nous rassurer que tu ne vas pas mourir. Elle me regardait faiblement. J'ai dit, tu répètes après moi. Jésus est la vie, la mort ne sera jamais la dernière parole. Ça, c'est clair comme ça. Et on a pris ça pour faire notre slogan, pour faire notre prière. On priait dessus seulement. C'est ça qu'on proclamait seulement. On ne priait plus. On dit, Jésus est la vie, la mort ne sera. Et elle est sortie de l'hôpital. Et même son dossier médical a disparu à l'hôpital. De sorte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver les traces de cette maladie. En tout cas, pas de ma femme à l'hôpital du CHU de Cocody. Et la voici en pleine forme. Là, c'est une réalité. Elle est en vie. On se pose la question. Et le bébé? Oui, le bébé va très bien. Ah, le bébé, il est même né. Oui, il est même né. Il a aujourd'hui 5 ans. Waouh, formidable. Et il se porte très bien. Très bien, par la grâce. Donc, cette, vous rencontriez des difficultés, mais le Seigneur continue toujours d'agir dans votre vie. On poursuit toujours. Et là, il n'y avait pas encore de stabilité financière. Pas de travail. Jusqu'à présent. Pas de travail. Je faisais seulement les petits contrats, mais c'est à peine. À peine. Et en 2000, j'ai sauté une étape. Pasteur, vous voulez que je revienne un peu sur une étape vas-y. Très importante où, pour montrer un peu comment la pauvreté... Quand on parle ici de pauvreté, ne comprenez pas ça autrement. C'est l'opprobre, au fait. C'était l'opprobre. Donc, avant même ce mariage-là, c'est juste une petite parenthèse que j'ai fait pour montrer un peu, parce que c'était l'acuité même de la pauvreté qui était là. Avant le mariage, en 2017, dans le temps où je vous ai dit que j'ai fait 9 mois de jeûne, et elle a fait 4 mois. Dans ces 9 mois de jeûne-là, qu'est-ce que je mangeais quand je descendais? Pasteur, il n'y avait rien. Donc, soit un demi-kilo de riz, sans huile, sans sel. Comment j'ai fait? Donc, je partais, arrivé à moi, j'ai eu une idée, je partais chercher les... Vous connaissez les... c'est des petits fruits comme ça. Ça ressemble à aubergine, c'est petit comme ça, mais c'est produit par des plantes sauvages. C'est petit, c'est rond comme ça. On appelle ça aubergine sauvage. Je partais cueillir ça, et le coin où je partais cueillir, c'était les... On appelait ce coin-là cacasport. En réalité, quand on dit comme ça, ça veut dire que les jeunes qui n'ont pas trop de toilettes vont se soulager là-bas. Et je vois les choses, les déchets, les matières fécales. Mais je n'ai rien. Je coupe le fruit qui est en haut. Pourtant, en bas, il y a les matières fécales. Et je dormais dans un sycobois. Et j'avais fait un petit jardin derrière le sycobois. En ce moment, il était déjà... Sycobois, c'est quoi? En thèse, le sycobois, ce sont les baraques en bois. Ce sont des maisons de fortune, fabriquées en bois. Quand tu es dedans, tu vois dehors. Les souris et les cafards sont tes amis. Parce qu'il n'y a même pas de... On ne peut pas filtrer. Voilà, il n'y a pas de filtre. Vous comprenez? Et puis la chaleur, c'est-à-dire que tu ne peux pas te reposer à midi. Tu attends seulement le soir pour te reposer. Et c'est comme entrer coucher, tu rentres, tu dors. C'est dans la même entrée couchée que la cuisine se trouve. Donc, tu comprends que quand je dois chauffer de l'eau ou préparer quelque chose, la chaleur augmente dans la chambre. C'était la souffrance. Mais j'avais fait un petit jardin de manioc, aubergine,
tomates. Il y a une espèce, une ethnie du Togo ou du Bénin qu'on appelle les Bressés. C'est des, les filles qui vendent le plus les arachides sur, sur la route. Ces personnes-là venaient déféquer dans mon jardin. Pourtant, moi, je prenais les feuilles de manioc là pour faire ma sauce. Wow. Mais je n'avais pas le choix. Et souvent, c'était quelque chose d'exagéré. Je vais parler de matière fécale. Quelque chose qui sent les mouches. Mais je n'ai rien. Je prenais ça. Je mettais ça dans l'eau de Javel. Un jour même, j'ai pris l'eau de Javel. J'ai vu les asticots là. Voilà, j'ai vu un asticot sorti de je ne sais pas de quoi là. Vous voyez l'état dans lequel j'étais. Donc j'ai pris l'eau de Javel, j'ai versé ça sur un asticot. Je voulais voir à quel niveau l'eau de Javel peut tuer les microbes qui sont, qui sont dans les feuilles. Parce que je coupe les feuilles au-dessus des matières fécales. Donc j'ai mis l'eau de Javel sur l'asticot. J'ai vu que l'asticot, il continue de partir. C'est que j'ai fait. J'ai compliqué ce que moi-même je mange là. Vraiment, c'est que c'est la grâce de c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et une situation qui n'a pas véritablement changé, hein, même quand vous étiez voilà. Vous et étiez dans le couple. Mariage maintenant, dans le foyer maintenant, c'était compliqué. Avec l'arrivée aussi d'un enfant, il faut préciser. Maintenant que Dieu nous a fait sortir de l'hôpital, l'enfant est né, il faut acheter les couches. Tout ça, c'était des défis pour nous. Couches, biberons, le lait de l'enfant. C'était d'énormes défis. Mais Dieu nous a gardés dans la dignité. Puisqu'on ne commandait pas notre, on ne commandait pas notre nourriture. Les gens même autour de nous ne sentaient pas trop cette pauvreté. Puisqu'on faisait un effort pour être digne. Puisqu'il était pasteur. Donc pour être digne, le pasteur, il est toujours souriant au dehors. C'est dedans qu'il pleure. Donc on était digne. Ma femme était... On faisait un effort pour que les petits vêtements qu'elle a là, que ça soit toujours propre, bien, bien fait. Et l'enfant, nos enfants ne sortent jamais de la maison. Puis d'ailleurs, on ne veut pas trop ça au fait. Donc après un, il y a eu deux. Effectivement. Puisque tu dis nos enfants. Oui, un deuxième enfant. Aujourd'hui, elle et moi, nous avons deux enfants. Le deuxième même a 2 ans révolu. Il s'en va vers 3 ans. Dieu nous a protégés, mais c'était la galère. C'était la galère. Seulement, je veux dire que dans cette galère-là, nous sommes restés persévérants dans la foi. Nous n'avons pas vendu notre foi pour des miettes. À l'université, plusieurs professeurs m'ont approché pour dire, blé, la Rose-Croix, les cancards, quand tu rentres là-bas, tu ne souffres pas. Parce qu'ils sentaient que c'était difficile. Il y a des choses qu'il fallait payer, moi je n'en avais pas. Il y a des choses où il fallait faire face financièrement, moi je n'en avais pas. Et même quand je suis arrivé au doctorat, c'était difficile, je devais l'inscription. Donc on a dû cotiser son salaire là. Il fallait maintenant qu'elle mette de l'argent de côté un peu. Parce que depuis 2011, avec le nouveau gouvernement, la scolarité des choses... de la thèse là, pour la thèse là, le doctorat s'est monté qu'à 90 000 francs l'année. Donc, chaque année, que tu aies soutenu ou pas, que tu aies travaillé ou pas, tant que tu es inscrit en thèse, ça fait 90 000 francs. Et j'avais déjà accusé 3 ans sans payer. 3 ans pour 90, ça fait 270 000. Une fortune. Et là, on va permettre à Alice aussi de parler de comment elle a vécu cette situation. Dans votre couple, parle-nous un peu de quelques difficultés dont tu te souviens. Sûrement, il y en a tellement assez. Ok. Bon, pendant cette situation, ça n'a pas été facile. Et il faut dire que souvent même, je partais dans la chambre pour supplier la grâce de Dieu, pour dire vraiment, on a assez souffert. Que le Seigneur même fasse quelque chose. Et je me disais que qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir, vivre ces genres de situations là. Et c'est au Seigneur seulement que je regardais pour que le Seigneur même change la situation dans laquelle nous étions. La nourriture était difficile.
Oui, la nourriture était difficile. Bon, on essayait de. Ce qu'on a, on essayait de gérer. On essayait de gérer pour ne pas qu'il y ait de vide. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Et si on revient, il y avait une situation où tu as perdu de ton emploi. Tu étais à Korogo. Ce jour, tu avais manifesté une colère. Mais à quel moment tu as réalisé que la colère était un facteur à prendre très au sérieux dans ta situation? L'examen de ma vie concernant la colère de façon vraie et de façon très claire, c'est cette année 2024. Et quand je me suis assis, j'ai compris que non seulement il y a eu ce 2017 où on m'a chassé du travail, mais il y a eu aussi le fait que je vous disais tantôt que les contrats là, ça vient difficilement. Donc, le Seigneur m'a ramené sur ces contrats. Quand je les gagne, une situation de colère se produit, c'est-à-dire une provocation où je vois que j'ai raison. Ma colère, c'est comme ça. Ma colère était sur des principes. Ça veut dire que quand le principe est violé, là, je ne me retiens plus. Et le Seigneur m'a ramené là. Une fois, d'abord, le Seigneur m'a ramené en 2022. J'ai fait une étude sur les enfants de la rue. Mais cette étude-là était supervisée par un de mes amis qui était doctorant comme moi, qui a eu le doctorat à peu près dans la même année même que, bon, qui a soutenu avant moi, après lui j'ai soutenu, lui qui a été recruté. À ce moment-là, je n'étais pas encore recruté, c'était en 2022. Donc il était mon superviseur. Et le monsieur, en tout cas, il me parlait avec une certaine manière, une certaine forme, je ne supportais pas. Parce que je le regardais comme mon ami. On était des amis. Et là, quand je me suis mis en colère, quand il parlait, il disait, je recevais dans mon cœur. Ça, ce n'est pas son gène, ça, c'est la vérité. Quand on parlait, il disait, dans sa parole, il disait, Quand le là, ça veut dire que on t'a pris pour cette étude-là. Mais c'est terminé. C'est ce que je recevais dans mon cœur. Tu lui parlais durement, je dis, tu lui as parlé durement. Oui, je m'exprimais, je lui disais que non. Puisqu'il nous demandait de faire un travail que humainement, là, ce n'était pas évident de le faire. Et puis, dans le timing, ce n'était pas facile. Donc, nous tous, pourtant, c'était le point où le Seigneur a attiré mon attention, ce n'était pas moi seul qui parlais. On était trois responsable d'enquête. On était trois responsables d'enquête. Et parmi les trois responsables, il y avait un qui était plus âgé que moi. Et l'autre était docteur comme moi. Les deux autres n'ont rien dit. Pendant qu'il parlait, il était en train de nous gronder parce que c'est lui le superviseur. Mais moi, je recevais ça comme si c'était de moi celui qui parlait. Et j'ai rétorqué. Quand j'ai rétorqué, lui aussi n'a pas accepté ça. Parce que c'était dans un bureau de l'institution. L'institution dont il parle, c'était dans un des bureaux. Donc, il n'a pas accepté. Il dit non. Et il voulait m'intimer un ordre pour que je me calme. Il lui dit que mais c'est inconcevable qu'on fasse, dans ce timing, qu'on puisse faire ce type de travail. J'ai parlé. Il a parlé. J'ai parlé. Et nous deux, c'était un échange entre nous. Et c'est là qu'il a dit, Quand il parlait, il faisait, Je recevais dans mon cœur que ça veut dire que c'est la dernière fois qu'on te prend comme ça. Et dans mon cœur, je disais, je m'en fous. C'est que tu ne réalisais pas à quel La niveau la gravité de colère la chose. te détruisait. Frère, depuis ce 2022 jusqu'à aujourd'hui, à moins que le Seigneur ne m'ait donné le succès à ce recrutement-là, Aujourd'hui, 2024. depuis 2022 jusqu'à 2024 aujourd'hui, on ne m'a plus appelé. Parce que quand lui, il travaille directement avec un autre docteur. C'est cet autre docteur plus grand que lui là qui souvent nous appelle quand il y a les gombos. Mais cet autre docteur là, Quand il y a des quand il y a opportunités. des opportunités, très bien, merci beaucoup pour l'expression. C'est cet autre docteur là à qui il a fait remonter l'information qui m'a appelé, qui dit mais pourquoi tu t'es comporté comme ça? Frère, quand ça se passe comme ça, je demande pardon immédiatement. Mais la chose est déjà consommée dans le cœur.
Donc, même qu'il a demandé pardon, mais on ne m'a plus appelé. J'ai été obligé de faire même en griffe la courbette. Parce qu'après, de 2022 à 2024, c'était chaud. Il n'y avait plus rien. C'était difficile. L'enfant est déjà né. Il va à l'école maternelle. L'école maternelle coûte très cher. L'autre aussi, elle est là. C'est le petit salaire qu'on va prendre pour payer la maison, le courant. Et puis la facture, dans ces derniers temps-là, a augmenté, triplé même. Notre facture est venue jusqu'à 30 000. Et jusqu'à 30 000. Ça veut dire qu'auparavant, c'était peut-être autour de 6 000. De 6 000 et d'abord. Ça. Et puis qu'on a eu le frigo, 6 000. Donc pour nous, 30 000. 6 000 là même était déjà difficile à gérer. Et même jusqu'à 30 000 francs. 30 000 mais francs. Est-ce que tu as une fois traité, tu as souhaité ou du moins tenté au moins une fois de traiter ce problème devant Dieu? Avant 2024, c'était en 2019. J'ai fait mon premier jeûne de 40 jours complet. C'est dans ce jeûne-là que j'ai vu dans le songe, à un moment, ça devait être au 21e jour du jeûne, j'ai vu une grande maison avec beaucoup de pièces. Et c'était ma famille, uniquement que ma famille. Des gens que je ne connais pas physiquement qui étaient dedans. Puisque les grands-parents, moi, je ne les ai pas connus. Mais il y avait les grands-parents, il y avait les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, les frères et les sœurs. Et c'était uniquement que ma famille. Donc, je me suis mis à la porte parce que le bruit était grand, assourdissant. J'ai dit, toi, sors. J'ai fait ce travail. Dans le sens, ça a duré. Mais j'ai senti qu'au fond, il y avait mon père, Blé Diazo. Au fait, pour faire le lien avec la colère, je vais revenir un peu sur l'expérience que j'ai vécue avec mon père. Quand je suis né, au moment où mes yeux vont s'ouvrir, ma mère n'était pas à la maison. Mon père était marié à une autre femme. J'ai été maltraité. Je le dis clairement. J'ai été vraiment... Parce que à un moment, je me sentais étranger auprès même de mon père. Et mon père me parlait avec violence, avec colère. Si j'ai fait une petite faute, il prend ça autrement. Et ça avait eu un impact. Arrivé au moment où je voulais me suicider, quand je suis arrivé en terminale, il y a une maman, une femme de mon père qui avait fait un enfant avec lui. Et puis les choses se sont compliquées entre eux. Et puis elle a quitté le foyer, elle est partie. Et en tout cas, ils se sont séparés. Il n'y avait pas de divorce parce qu'ils n'étaient pas mariés. Mon père avait beaucoup de femmes. Ces autres femmes-là, elle était jeune, elle était à peu près notre... Elle est un peu plus grande que nous. Donc, on causait plus facilement. Qui m'a vu quand je quittais l'école à une de ces gars d'Oumé, à la gare d'Oumé à Gagnoua, qui a dit que, mais pourquoi vous ne venez pas me rendre visite? Insouciant. Moi, insouciant. J'ai dit, mais tu es où? Elle dit, à Oumé, puis elle m'a montré le... Là où elle est. Je suis allé là-bas. Sans dire à quelqu'un. Quand je suis revenu, elle a dit à mon père que Jacques est quitté chez moi. Oh, mon père m'a renié. On a fait près de 2 mois. C'est-à-dire que chaque nuit, il devait me réveiller pour me maudire, pour me taper. Quand j'ai dit taper, pour me parler de manière dure. Il parlait embêté. Mais je comprends rien dedans. Au fait, il prend les proverbes, il parle des choses que je ne maîtrise pas même. Et puis, je suis là, yes, mais si je tente de dormir, j'ai un problème. Si je baille, il interprète. Il dit, je baille contre lui. Ça veut dire que j'étais dans une situation terrible. À part ça, quand l'école a commencé, il m'a envoyé dans un village de Lakota. C'est le village de Koudoujano. Le nom du village, j'ai oublié. D'ailleurs, même, je ne voulais pas retenir ça. Et puis, chez Koudoujano, là-bas, c'est un personnage, c'est un homme, un vieil homme. On ne se lave pas avec du savon. On ne se brosse pas aussi avec du savon. Les femmes font 4 jours. C'est-à-dire que les femmes font, si ce n'est pas 4 jours, elles font 3 jours. Elles font 4 jours, les hommes font 3 jours de pèlerinage. Les gens quittent même à Rome pour venir. Et puis, on s'en va dans une plantation de cacao. C'est dans cette plantation de cacao-là qu'il a enterré son grand frère. C'est son grand frère-là qui s'appelle Baillé. Et c'est son grand frère qui l'a transformé en divinité.
Donc, nous partons pour adorer Baïe, la divinité Baïe, qui était son grand frère. Parce qu'il dit que son grand frère est mort injustement, donc il veut prendre la revanche de son frère. Donc, l'esprit de son frère l'habite, l'a incarné, et à partir de là, il fait des choses, des trucs en qui les autres croient. Mm-hmm. Mais moi, en ce moment-là, je connaissais déjà le Seigneur. J'avais dit qu'il partait déjà dans une église. J'avais dit à la crainte du Seigneur. Je ne connaissais même pas femme. Les rapports sexuels, je ne connaissais pas. J'ai corrigé, j'ai essayé de... Mais mon père m'a forcé d'aller là-bas. Pourtant, je n'étais pas le dernier de la classe. J'ai dit, mais on s'en va là-bas. Là. J'ai demandé, parce que j'étais un enfant audacieux dans la famille. Parmi les enfants de mon père, mm-hmm. je posais beaucoup. Si je ne comprends pas, j'ai la force de lui poser les questions. Et mon père n'aimait pas trop ça. Parce que ta curiosité. Il fallait être... Oui, j'ai compris. D'accord, c'est comme la formule militaire à la maison. Mmh. Mais moi, je posais aussi des questions. Donc, il lui a dit, bon, on va là-bas, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour que tu aies le bac. Il dit, mais moi, je ne suis pas dernier de la classe. Je suis d'ailleurs même parmi les meilleurs. Donc, en principe, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Et puis, j'ai dit à Jésus. Donc, à Baïe, on fait le tour de la tombe de son défunt frère là. Mmh. En fait, on ne sait pas une tombe qu'on voit, mais lui il sait qu'il nous indique là où on doit faire le tour. Et puis c'est comme c'est beaucoup d'hommes qui sont là-bas, donc tu n'as pas besoin de te tromper. Mais la particularité de ce que j'ai remarqué là-bas, c'est que on boit du vin et le vin là dort sur le site, sur la tombe, le vin dort là-bas. Mmh. Il y a même un gardien qu'on est arrivé, mon papa très très zélé, a demandé que le gardien qui balaye me passe le balai pour que je balaye. J'ai compris que, ça c'est après que j'ai compris que mon papa voulait faire de moi son héritier de la sorcellerie. Et j'ai refusé ça. Et jusqu'à présent, j'ai refusé ça totalement. Donc, on fait le tout. Le vin qui dort là-bas, on vous distribue les petits verres, comme dans les bistrots, les verres. C'est où, ça. Ce sont des petits verres comme oui, ça. Les petits verres. On met le vin verres dedans. À thé, là. Les verres à thé. Très bien, les verres à thé. On prend la terre du cimetière, un peu de terre, on met ça dans le vin, on met le vin dedans, on met dans le verre, et puis on met le vin dedans. Donc, il y a la terre du cimetière, plus le vin, tu bois tout ça. Et puis maintenant, tu proclames. J'ai demandé à mon père, comment on parle? Il dit, tu dis le contraire de ce que tu veux. Tu veux réussir, tu dis, je veux échouer. Tu veux vivre, tu dis, je veux mourir. Donc, mon père me force, et puis il me forçait, puis je ne voulais pas dire ça. Donc, là, avec colère, il me forçait de dire que je vais échouer au bac. Je vais avoir la mention médiocre, nulle, que je serai renvoyé, je vais mourir, je vais faire accident. Donc, c'était des choses difficiles à dire. Mais avec la colère, j'ai cédé à la pression, et puis je disais ça. Jusqu'on est arrivé à Gagnoa, j'ai échoué pour la première fois. La deuxième fois, j'ai dit que bon... J'ai échoué au bac. J'ai échoué au bac. La deuxième fois, j'ai dit que bon, ça c'était pour mon père. Il faut que je me concentre. Moi, j'aime l'excellence. Donc, je me suis mis au travail. J'étais premier de classe, frère. Premier de classe. Il y avait même des témoignages. Même. On était 14 classes de terminale au lycée moderne de Gagnoa. Moi, j'étais le deuxième de tous les premiers. J'avais 14,02 de moyenne. J'ai échoué au bac. Quand j'ai échoué au bac, j'ai dit c'est terminé pour l'école. Donc, j'ai fui. Je suis allé dans un village où ma grand-sœur était mariée. Elle est décédée maintenant. Et dans un campement même, j'ai dit à son mari que regarde-moi ici. Donne-moi une portion de brousse. Je veux travailler pour toi. Je me suis mis dans la pensée de Jacob chez Laban. Je veux travailler pour toi, mais je veux en retour, en échange, une portion de brousse. Je vais faire du riz. Tu vas m'apprendre les pratiques culturelles. Il dit, il n'y a pas de problème. Il avait trouvé son manœuvre. Et moi, je me disais que bon, je vais me trouver une petite villageoise. Tu m'excuses, hein? Je vais me trouver une petite villageoise avec laquelle je vais me marier. L'école, là, c'est terminé. C'est là-bas que maman a fait ses recherches. Puis il n'y avait pas de téléphone. Donc ma grand-sœur ne peut pas lui dire que... Et puis ma grand-sœur ne connaissait pas le problème. Mmh. Il ne lui a rien expliqué. C'est ma maman qui faisait les recherches, qui allait découvrir
que je suis là-bas, elle m'a attiré de là-bas. Elle dit, s'il te plaît, va voir ton père. Puis les deux étaient déjà séparés. Elle était à Guibéroua, mon père était à Gagnoua. Va voir ton père, il va payer ton école. J'arrive là-bas, lui veut dire son argent. Lui, il va mettre ça derrière moi. Et puis, j'ai échoué encore. Il ne fait pas ça. Donc, c'était en 2000. Aujourd'hui, c'est 2024. 24 ans de souffrance. Plus rien. Les femmes qui travaillent dans la rue, là, qui balaient les rues, il y en a même qui m'ont dit un peu là. Mm-hmm. Frère, ce n'est pas facile. Hein? J'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Pourquoi? Parce que je faisais ce travail-là avec ma mère. Et il y avait un type de galère à la maison qui faisait qu'on parlait d'un coup KO au niveau de la nourriture. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Ça veut Évidemment. Dire que, ça veut dire que la maman prépare à 16 heures toute la journée. Là. Rendez-vous à 16 heures le lendemain. Très bien. C'est que vous connaissez l'expression. Un coup KO. Donc, les fois où elle me réveille à 4 heures pour aller l'aider à balayer, je n'avais pas le choix. Je partais là-bas. Mais quand elle ne me réveille pas, quand elle réveille ma petite soeur pour partir, là, je grille. Vous voyez le maïs sec, là. Je grille ça. Quand on dit griller, ça veut dire que je mets ça dans une marmite vide. Je mets le maïs dedans, ça chauffe et puis je tourne seulement. Et puis le maïs devient bien chaud, bien dur. Je mets ça dans l'eau. Le maïs grillé, là, je mets ça dans l'eau, je m'en vais travailler. Puis c'est moi, mon travail, c'était de prendre la machette, de couper les broussailles. C'était la même structure, la même entreprise. Un côté, les femmes balaient la rue, un autre, les hommes balaient les broussailles. Et on nous payait 1000 francs par jour. C'est dans les 1000 francs de ma maman qu'elle enlève pour faire la cuisine et autres. Mais dans mes 1000 francs, là, elle gardait pour me remettre à l'école. Pour me remettre à l'école. Merci de nous avoir ramenés aux racines. Donc, depuis lors, tu es habitué à cette vie difficile, cette vie de pauvreté qui t'a même suivi jusque dans le foyer. Après ça, deux enfants, tu t'es marié, tu as eu deux enfants et les difficultés continuaient. Une chose est claire, c'est que tu aimes Dieu, tu aimais Dieu, tu continues d'aimer Dieu et tu as sûrement posé ce problème à Dieu. Comment, en tant que couple, vous avez dû traiter? Quelle était votre relation avec Dieu dans cette période? Comment vous avez traité ce problème-là devant Dieu? Et qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ou quelle instruction vous a-t-il donné? Je dois dire d'abord merci à ma femme. Son tempérament est calme. Moi, vous voyez comment je parle. Je ne veux pas ça. Souvent, je pleure devant Dieu à cause de ça. Cette manière, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de... Parfois, il faut l'énergie. Mais quand je me souviens que c'est ça a un lien avec Bala Diazo, mon père, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Donc, je dois dire beaucoup, vraiment devant cette caméra-là, j'ai dit que Dieu bénisse ma femme. Elle dit que j'ai Amen. Dit que quand on dit que c'est tu as trouvé ta cote, j'ai trouvé vraiment. Pour moi, elle est calme. Je crie, je tempête, elle est calme. Elle est calme. Ce calme-là, ça m'apaise beaucoup. Ça m'a donné la vie. En fait, ça me donne la force. Ça me donne de me repositionner vis-à-vis du Seigneur. Sinon, je me découraille facilement. Mais elle m'a donné beaucoup de me concentrer sur Dieu. Ça, c'est un. De deux, je cherche beaucoup Dieu. Je n'aime pas beaucoup dormir. Pour la prière, je ne dors pas beaucoup dans la maison. Elle est témoin. Donc, je me suis dit quoi? Je me suis marié à elle, mais je suis le prophète de la maison. Ma femme a été est beaucoup pour ma stabilité spirituelle. Et je tiens à dire merci à Dieu et à l'honorer devant cet écran. Mais quand je vois tout ce qui se passe autour de moi avec mes frères, mon frère est professeur titulaire de maths informatique. Mais il m'a dit, Jacques, tant que tu n'as pas frappé la terre, puisque à Bailly là-bas, on frappe la terre et on cogne le front contre le sol. Il dit, tant que je n'ai pas fait ces pratiques, et encore plus que chez eux, les morts sont des dieux. Donc, tant que je n'ai pas invoqué l'esprit de Bala Diazo, notre père, sur ma vie, pour lui demander pardon, pour que Bala Diazo ouvre la porte du recrutement, je ne vais jamais être recruté. J'ai compris par là
que il faut que il faut que je traite mon caractère du point de vue des émotions, au niveau des émotions, de tous les ressentiments. Parce que avec tout ce que mon père a fait, quand quelqu'un me parle, j'ai un mauvais ressentiment. Je suis blessé à l'intérieur de moi. J'ai connu tellement de blessures. C'est comme un handicapé qui passe auprès d'une foule qui est en train de rire et qui pense que c'est de lui qu'on rit. J'avais aussi ce problème-là. Donc, j'ai compris que il fallait que je traite mes émotions, mais laquelle? Donc, c'est quand j'ai fait le songe à partir de mon jeûne de 40 jours complets que j'ai fait sortir tous les membres de ma famille. Mon père était à l'intérieur. Je lui ai demandé de sortir dans le songe. Il a quitté la dernière chambre. Il est allé dans les toilettes. Et puis, il est retourné. Je me suis réveillé. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas pu le faire sortir de la chambre. Déjà là, j'ai compris que il y a un trait de caractère certainement qui me lie à ce monsieur-là. Il fallait que je le recherche. Donc, il y a un lien. Un lien. Voilà, un lien spirituel. Quel est ce lien? Mon idée va très souvent sur l'orgueil parce que très souvent dans les échanges, les gens me reprochent l'orgueil. Donc, je me suis concentré sur l'orgueil, mais la colère avec ma femme, elle ne supportait plus. Donc, j'ai mis la colère dedans. Je suis allé dans le livre de Proverbes, j'ai pris tous les passages bibliques sur la colère. Je les ai gravés au mur. Mais je les lis simplement comme une littérature. Je ne priais pas sérieusement. Je n'avais pas encore lu Gethsémani, le livre du pasteur Méné Boniface. Et c'est cette année, au fur et à mesure, je vois que la colère est en train de tout détruire dans ma vie. Je suis en arrière. Un docteur qui doit laver les enfants. Elle s'en va au travail. C'est moi qui reste avec les enfants. On n'a pas de servante. Parce que la disciple dont on avait parlé au départ du témoignage là-bas, je l'avais récupérée puisqu'elle voulait venir. Je l'avais récupérée pour qu'elle nous aide, mais pour qu'elle puisse aussi travailler puisqu'elle était couturière. Elle faisait son travail. Mais il est arrivé un moment où l'enfant se plaignait de maladie. Toujours mal de ventre. Toujours. On est allé dans les hôpitaux, rien. On est venu chez le pasteur travailler pour qu'il prie, rien. Lui, il faut continuer de se plaindre. Je vais prier, chercher Dieu. Le Seigneur me dit de demander à mon disciple. Donc, j'ai posé les questions, mais avec la colère. J'ai posé les questions à cette fille-là. Elle avait près de 36 ans. L'enfant avait 2 ans ou 3 ans comme ça. Il y avait un problème sexuel entre cette femme, parce que 36 ans, c'est une femme, et cet enfant. Je ne comprenais pas. Le Seigneur me parle de sexualité. J'avais du mal même à accepter. Mais je lui ai posé la question, j'ai dit, bon, voilà ce que moi, j'ai reçu du Seigneur. Elle a nié quand vers la fin, elle dit que oui, que c'est un jour, elle voulait faire pipi, parce que c'est elle qui restait à la maison. L'enfant voulait pisser. Et puis, elle a regardé son kiki. Et puis, elle a eu des frissons. Ah, frère. La nuit, là, que j'ai entendu ça. La colère s'est manifestée. C'est ça. J'étais pasteur à la CMCI. Je ne faisais pas exprès. Mais c'est après que j'ai compris que toutes ces formes de colère-là. Est-ce qu'il y avait un songe qui t'a, en dehors du songe où tu n'arrivais pas à faire sortir ton père, est-ce qu'il y avait un songe qui montrait réellement que la colère était la chose, plus ou moins, ou du moins l'idole sur laquelle se tenaient les esprits? Plusieurs songes, pasteur. Hein? On me provoquait dans les songes. On me provoquait expressément. Et je sentais que c'était exprès. Mais je n'avais pas la force, je n'avais pas l'intelligence d'éviter les provocations. Je me mettais en colère. Et quand je me mets en colère dans le son, dans la journée, tu me dis bonjour. Si tu as fait ta bouche d'une manière, je suis en colère. Je dis pourquoi tu as fait ta bouche de cette manière. Et puis ton bonjour là, j'analyse le bonjour. Je dis mais c'est quel type de bonjour ça? Tu vois? Le problème était sérieux. Très sérieux.
Donc, j'ai parlé avec colère à cette disciple pour dire que mais, tu n'as pas ce droit. Et après, c'est devenu autre chose avec les dirigeants et autres. Et puis, je l'ai fait sortir de la maison. Bon, les dirigeants n'ont pas apprécié le fait que je les ai fait sortir sans les prévenir. Et la colère a travaillé sur ce champ-là. Mais après, j'ai demandé pardon. Les dirigeants sont témoins. J'ai demandé pardon. Vous savez, je ne sais pas si c'est une force, mais quand j'ai fini de gâter, je demande immédiatement pardon. Seulement, je sais que dans le cœur de l'homme, ce n'est pas de l'automatisme. Donc, même si tu demandes pardon, ce n'est pas sur le champ que la personne... Même si la personne te dit, j'ai pardonné, mais ce n'est pas sur le champ que la personne oublie. Donc, c'est cette année 2024. Je me suis sérieusement mis devant le Seigneur. J'ai dit, je parle de colère, nervosité, rancune, réserve, manque de pardon, orgueil, méchanceté. Quand je vais au renversement des principautés, j'ai fait comme ça. Donc, je n'arrive pas à toucher l'idole réellement. Seigneur, montre-moi de façon claire maintenant. C'est ça. J'ai fait un songe très clair où quelqu'un est venu et il m'a provoqué. C'est-à-dire, avant, on me provoquait, mais mon intelligence ne s'ouvrait pas. Mais pour ce songe-là, mon intelligence est ouverte. La personne m'a provoqué. Arrivé au moment, je me calmais au départ. Mais arrivé au moment, c'était devenu excessif. Dans le songe, je suis sorti de ma réserve. J'ai parlé à couler. J'ai parlé et j'ai débordé. Et j'ai entendu une voix pour dire que c'est ça qui est ton Dieu. Tu n'as pas deux idoles. Que toutes les autres idoles sont attachées à cette grosse idole. Qui est la racine. Qui est la racine de ton problème. Si tu veux réussir, tu traites la colère. Et pendant que j'ai entendu cette voix-là, j'ai senti dans mon cœur, dans le songe, que la personne qui me parlait, je pense que c'est le Seigneur. C'est comme ça que je peux dire. Parce que je n'ai pas vu la personne, mais j'entendais la voix. Je pense que la personne avait un mal dans le cœur pour dire que je veux frapper tes ennemis et tes adversaires, mais tu ne me donnes pas le choix. Tu ne me donnes pas le choix. Tu te mets en colère, tu ne me cherches, tu ne me donnes même pas même l'occasion de les frapper. Tu traites tout dans la chair et dans la colère. Donc, fais marche arrière et laisse-moi agir. J'avais cette impression, la personne parlait et puis je sentais cette douleur-là dans son cœur. Donc, quand je me suis réveillé, je suis allé vers ma femme. Je me suis mis à genoux. Je suis allé vers mes enfants, celui de 5 ans et puis celui de 2 ans révolu. Je lui ai dit, je vous demande pardon. Cette femme-là, je lui ai fait trop de mal dans la parole. Je l'ai blessée. Je ne sais même pas comment j'ai fait même pour me racheter. Mais je pense que Dieu va me donner la puissance. Donc, je lui ai demandé pardon. Pardonnez-moi. Et j'ai commencé. Les frères à qui j'ai demandé pardon, j'ai compris que ce pardon-là n'était pas solide. Donc, je suis allé pour renouveler encore mon pardon. Et je me rappelle même à Dieu quoi. J'ai rencontré, il y a un frère, un dirigeant principal, mais avec lequel j'avais demandé pardon. Mais quand je le vois, mon cœur bat. Quand je le vois, mon cœur bat. Et puis, c'était rare de le voir. Donc, les occasions rares, le Seigneur me dit, si tu le vois, ouvre lui, va lui demander pardon. Mais quand je le vois, j'ai des difficultés. Ce jour-là, j'ai couru vers lui. Il était heureusement avec tous les autres dirigeants avec qui j'avais eu un problème. Je lui avais déjà demandé pardon. Mais cette fois-ci, frère, je devais aller faire pipi. Mais j'ai bloqué le pipi. Il dit, si il rate ça, si il veut revenir, peut-être qu'il va se disperser. L'ultime occasion. Je me suis mis à genoux et demandé pardon, un vrai pardon, parce que j'avais déjà compris à travers le songe, à travers plusieurs songes, que le Seigneur m'avait dit avant ça que si vous fusionnez dans le couple, j'avais dit que j'étais prophète, que je m'identifiais comme le prophète de la maison. Donc chaque année, je cherche Dieu. Et pour chaque année, le Seigneur me révèle ce qu'il faut faire pour la maison. Et je partage ça à ma femme et mes enfants. Je lui ai dit que le Seigneur dit, si on fusionne, il va nous bénir au-delà de toute mesure. Il faut qu'on fusionne. Mais la fusion là, cette fois-ci, je pense que ça commence par moi. Parce que cette colère là, elle vient des ténèbres. Et je dois renoncer, laisser tomber cette colère.
frère, j'avais des principes. J'ai brisé les principes. Donc, ça fait que quand ma femme est en train de faire quelque chose contre mes principes, j'ai dit gloire à Dieu. Donc, ça, c'est après la révélation, après la caravane de pardon, tout ce qui est principe. J'ai cassé tout. J'ai cassé mes principes. Si un enfant vient, il me parle de façon méprisante. J'ai dit gloire à Dieu. Ouais, mais on va permettre. Elle est mieux placée pour attester cela. On te donne l'opportunité, oui, sœur Alice. Okay. Il a brisé les principes. Est-ce que c'était quelque chose qui était constaté? Oui, oui. J'ai vraiment constaté ça. Et il arrivait des moments où il me disait que la colère, je dois laisser la colère. En tout cas, je voyais dans ses actes qu'il y avait une grande amélioration, de l'amélioration. Que la colère, même, il avait certaines choses auparavant où il s'attendait dessus, il parlait. Mais j'ai constaté qu'il ne parle plus. Et j'étais même heureuse. Parce que j'ai dit, je cherchais qu'il y ait la paix. Quand il y a un peu de troubles, des discussions entre nous, je ne suis pas contente. Et quand il a traité son cœur, j'ai vu que ça allait. Mais quand il parle, il me dit, non, je dois, chose comme on appelle, traiter la colère. J'ai dit à mon mari, moi, je vois que ce n'est pas la colère parce que c'est bon. Il dit, non, ma femme, ce n'est pas encore bon. Je ne veux même pas manifester même un petit truc même qui vient de la colère. Il dit, OK, c'est compris. Donc, j'ai vu que, sincèrement dit, tout, ça allait bien. Tu as réalisé la transformation. J'ai réalisé la transformation. OK, donc, le problème a été identifié, le problème a été traité. Et que s'est-il passé par la suite? On est vraiment pressé de savoir. Donc, on est dans le jeûne. Ma femme... Le jeûne de renversement des principautés familiales et personnelles. Au fait, le renversement des principautés personnelles et familiales est devenu maintenant comme une tradition à la CMCI. Mais en réalité, ça ne devait pas être une chose de la CMCI seule. Parce que, frère, c'est dans ce jeûne-là que notre victoire est sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Renverser les principautés personnelles et familiales. Ça veut dire deux catégories de principautés. Une principauté qui est assise sur ta vie parce que tu manifestes une idole que tu cajoles, que tu justifies, que tu protèges. Et l'idole, c'est quoi? L'idole, c'est un péché. Pour aller très, très direct, c'est un péché qu'on entretient dans le cœur, dans les actes, dans les paroles et dans la conception au niveau de la pensée ici, mais qu'on n'a jamais exposé. Jamais. C'est-à-dire, on peut toucher toutes les autres. Donc, on s'est dit que non, que mais où est-ce qui est mauvais? Attends, toi aussi. Faut voir dans ça, là, c'est moi qui ai raison. Et chaque fois que moi, j'avais un problème avec quelqu'un, quand je m'avais expliqué ça à M. Yubois, je voudrais que M. Yubois ou le frère Yubois me dise que Blé, tu as raison. Tant que cette partie-là, je n'ai pas entendu, là, c'est que Yubois lui-même, c'est un ennemi, ou bien c'est un adversaire, ou bien c'est quelqu'un qui cautionne le mal contre moi. Donc, voici l'idole. Et toi, ton problème ici, c'était la colère. La colère. Ton Et idole. C'est comme ça que j'expliquais les choses. Si tu ne me donnes pas raison, c'est que tu es en train de donner raison à mes ennemis, en train de dire que ce qu'ils m'ont fait là, c'est bien. Et je ne suis pas d'accord avec. Donc, renverser les principautés personnelles signifie renoncer à l'idole. Parce que l'idole se présente comme une chaise royale dans laquelle s'assoit la principauté, le démon qui a entraîné dans ma vie, dans mon cas ici, la pauvreté, qui s'assimilait à l'opprobre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner quelques indicateurs encore. C'est que je peux partir, je suis bien habillé comme ça. Et puis, j'arrive quelque part. Par exemple, quand j'étais en DEC 2, pendant la composition, où tout, on était près de 800 étudiants à composer en DEC 2, sociologie, à l'université ici. Mon pantalon s'est défait d'ici. La caméra peut filmer ici. D'ici à ici. Je reprends encore. D'ici à ici. Grand comme ça. C'est-à-dire, ouvert comme ça. Je n'avais pas porté de culottes. Ne fais pas rire, toi.
C'était à l'université. Ça, ce n'est pas du songe. Je vais dire quoi? Cette principauté-là va t'emmener à avoir honte. Et ça m'a amené à avoir honte. C'est pourquoi je parle d'opprobre. Là, il n'y a pas couturier. Là, il n'y a pas couturier. J'ai traîné cette honte-là. Il a attrapé un bas de moi comme ça pour aller jusqu'en cité. En temps, la composition devait commencer dans quelques instants. Pour aller trouver un ami pour changer rapidement de pantalon pour revenir. Parce qu'il n'avait pas le temps de la couture. C'est ça. Vous comprenez ça? Donc, cette année, je me devais de renverser l'idole de la colère, puisque le Seigneur m'a ramené dans tout ça. C'est-à-dire que la révélation était claire. C'est parce que tu te mets en colère. Ça veut dire que tu as physiquement refusé d'être l'héritier de Bola Diazo, ton père, mais d'une autre manière, d'une autre façon, tu es son adepte et son héritier à travers la colère. Le Seigneur m'a dit ça clairement, que tu refuses la sorcellerie de ton père, mais tu es dans la sorcellerie de ton père. Donc c'est comme ça que tu as même entraîné, parce que la révélation était tellement pertinente, que tu as entraîné toute ta famille pour cette croisade dans le jeûne et la prière, et même les enfants. Très bien. À ce niveau-là, je remercie encore cette femme. Elle, ce n'est pas moi qui l'ai entraînée dans le jeûne. Elle a dit qu'elle est dans le groupe d'intercession, que là-bas, leur chef, la maman Traillé, a demandé que les filles fassent un jeûne de 100 jours, qu'elle avait fait ce jeûne. J'ai dit, bravo ma femme. Parce que moi, tout ce qui est jeûne là, je ne dis pas non. Puisque je sais que c'est un moment de délivrance. C'est ça. J'ai dit, je t'encourage. Et elle est rentrée dans le jeûne de 100 jours. Donc, elle a commencé depuis le 1er mai. Puisque le renversement des principautés finit le 9 août. Donc, elle a fini le 9 août. Mais les enfants, à un moment donné du combat, j'ai vu que les enfants, c'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur m'invitait à les introduire, à les mettre dans le combat, à les faire entrer dans le combat. Donc, j'ai dit à mon premier fils, en fait, à celui qui a 5 ans, là, que tu vas rentrer dans le jeûne. Il m'a demandé les explications, mais pourquoi? J'ai dit qu'on est dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Donc là, toutes les fois, tu ne jeûnais pas, mais cette fois-ci, tu vas m'aider dans le jeûne. Parce que je suis à un niveau du combat où, si je ne suis pas recruté cette année-là, il ne me reste plus trop de chance. Il me reste seulement une chance, puisque mon âge est avancé. Mm-hmm. J'ai expliqué comme ça à l'enfant. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord pour entrer dans le jeûne? Il dit oui, papa. Il s'agit là du recrutement des enseignants. Des enseignants chercheurs. Ici, en Côte d'Ivoire. J'avais déjà présenté aussi pour la Guinée. Et j'avais fait aussi l'attaché des recherches. Parce que je ne voulais pas échouer. J'ai dit à ma femme, en Guinée, là, c'est des miettes. Ils ont dit que c'est forme contractuelle. Mais je suis prêt. On va réussir. Si je vais en Guinée, on va réussir. Je vais t'envoyer de l'argent. Il n'y a pas de problème. Ça. Donc, les enfants sont aussi entrés dans le jeûne. Benaja, le plus grand, est rentré. Il a fait d'abord 4 jours de jeûne. Au 5e jour, c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y avait dans mon cœur de mettre le dernier dedans. Je peux dire que c'est ça de la part du Seigneur. Le dernier qui a 2 ans. Qui a 2 ans. Et je l'ai mis dans le jeûne. Donc il a dit que bon, lui, il va finir à 15h. Le dernier finit à 15h. Celui de 5 ans finit à 18h. Je vois que le jeûne ne fait pas de mal. Le dernier, là, lui, même ça ne lui dit rien. Quand on est à la maison, il joue. Mais on priait, frère. Je voudrais souligner ceci. On priait 3 fois par jour avec les enfants. En l'absence, elle est partout au travail. Mm-hmm. Matin, on vient, on se met à genoux. Quand je me mets à genoux, ils se mettent à genoux avec moi. Et puis, on renonce d'abord à la colère. Première prière, on renonce d'abord à la colère. On supplie Dieu pour notre famille. Et puis maintenant, on rentre dans le combat spirituel. On frappe. C'est ça. Donc, c'est comme ça que les enfants sont rentrés avec moi. Et quand ils sont rentrés avec moi, le plus petit a fait 4 jours. Le plus grand a fait 8 jours. Mais le plus grand, quand ça arrive à un certain niveau, quand on était au 5e, 6e jour, il a des expressions là. Il dit que papa, mon ventre me gargouille. Papa, je sens que mon ventre me gargouille. Il a dit pardon. Dis à ton ventre qui te gargouille là. Que c'est à 18h qu'on descend. Parce que là, le combat est chaud. Voilà. Donc il rit comme on rit là. Et puis après, il laisse tomber. On attend 18h pour rompre le jeûne. Voici comment on a bataillé. Et dans cette bataille, un miracle va se produire. Oui. Au 4e jour du jeûne, ou du moins
à quel jour de jeûne, de ce jeûne de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, un miracle va se produire. L'enfant avait déjà fait 8 jours de jeûne. Et on continuait, on était au 20e au 21e jour. Je lui ai dit la nuit que le lendemain 22, là, tu vas rentrer dans le jeûne. Parce que c'est vrai que tu as déjà fait 8 jours, mais je sens qu'on doit continuer de combattre. Un enfant de 5 ans, je parle comme ça avec lui. La nuit avant de dormir, je lui ai dit ça. Il dit ok. Il dit donc, ça veut dire que je vais jeûner demain. Il dit oui, tu vas jeûner demain. Donc, le lendemain était le 22 juillet 2024. Quand on s'est réveillé, elle était déjà partie au travail. On a rendu grâce à Dieu, elle est partie au travail. J'étais avec les enfants. J'ai dit que toi, tu jeûnes aujourd'hui, mais le plus petit ne va pas jeûner. Ça veut dire que le reste du combat, là, tu as fait ça avec moi jusqu'au 9. Il dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il dit non. Il dit, ça veut dire que tu vas jeûner pendant longtemps. Puisqu'on était au 22 maintenant. Tu vas jeûner jusqu'au 9. Ça veut dire que tous les jours, tu ne vas pas manger. Il dit, c'est vrai ça? Il dit, oui, c'est vrai. Et puis, on a rendu grâce à Dieu. J'ai lui imposé les mains, j'ai prié pour lui. Dès qu'il a fini, on était assis dans le canapé. Mon portable sonne. C'est le frère Biti qui m'appelle. Frère, tu es où? Il dit, mais je suis à la maison. Il dit, mais félicitations. Frère! Félicitations de quoi? Non, avant ça, je voudrais dire quelque chose. Ne nous laisse pas dans le suspense. Hein. La souffrance qu'a connue le peuple d'Israël a bouché un peu en grippe les oreilles d'Israël à l'ordre salvateur, c'est-à-dire à la promesse salvatrice que Moïse apportait. Quand Moïse disait que le Dieu d'Israël m'a envoyé vers vous pour vous délivrer, ils comprenaient tellement ils avaient souffert. Ils étaient habitués à la souffrance. Donc cette félicitation que le frère Biti me disait là, je ne comprenais pas ça bien. Je ne sais pas de quoi il parle même. Pourquoi? Peut-être pour plusieurs raisons, mais pour une raison principale. Parce que je pensais même que le résultat des recrutements pour les enseignants-chercheurs et pour les attachés de recherche pour la Côte d'Ivoire 2024, là, que ça allait sortir en octobre. Donc j'étais en train de supplier Dieu même qu'après le renversement des principautés, que Dieu me donne la puissance de faire 40 jours complets. Tu étais prêt. Frère, comment ça? Je disais à Dieu, c'est l'échauffement. On est en train de s'échauffer. Parce que c'est en octobre que les résultats vont sortir. Moi, je me mettais en fin octobre. Donc, je me disais, avant que le jeûne de octobre va venir, là, juste après le renversement des principautés, je donne 5 jours pour me préparer, faire les trucs. Et puis, je rentre dans le jeûne complet. J'avais commencé même à dire ça à ma femme. Après ça, hier, rentré dans un jeûne complet, mais je suis en train de supplier le Seigneur pour me donner la puissance. Donc, je ne m'attendais pas à une... je ne m'attendais pas à des félicitations. Et tu entends félicitations. Et j'entends mes félicitations. Il dit, quelle félicitation, mon frère. Il dit, mais ton nom est sorti. Jésus. Il dit, mais quel nom? Vous voyez, j'étais fermé ici. Mon esprit était fermé à tout ça. J'ai dit, quel nom? Il dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, je vais t'envoyer mon nom par SMS. Il dit, non. Envoie-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom oralement. Il dit, mais ça, dans mon cœur, il dit, mais ça c'est quoi ça encore? Donc, j'ai dit mon nom. Parce que je ne voulais pas que les voisins entendent mon nom. Donc, j'ai dit tout mon nom. Il dit, mais c'est Blaise Ogojek, c'est ça qui est écrit devant moi ici. Tu es recruté. C'est quand il a dit, tu es recruté pour la deuxième fois que mon esprit s'est réveillé. J'ai dit, frère, tu dis quoi? Il dit, mais ton nom est là. Lui-même, il a eu la force parce que tellement je lui parlais avec froideur. C'est ça. Donc quand il a dit, frère, tu dis quoi? Il dit, oui, mais ton nom est là. Tu es recruté. Ton nom est sorti. J'ai dit, frère, envoie-moi la liste, envoie-moi ça par WhatsApp. Il dit, frère, connecte-toi. J'ai dit, frère, il y a longtemps, je suis connecté. Frère, le combat,
Ce que je veux préciser, c'est que quand tu veux combattre, il ne faut pas laisser un côté. Je combattais sur tous les côtés, sur tout. J'ai frappé toutes les positions de l'ennemi. C'est pourquoi quand ma femme me disait que tu as déjà renversé la colère, je dis, s'il te plaît, tu ne connais pas où, ce dans quoi la colère m'a mis, dans quel type de pauvreté. Je lave les marmites. Frère, c'est pas du jeu. Je gratte les marmites. Je lave les assiettes. Et on est dans une cour commune telle que l'eau sale, là, l'eau usée, là, mm-hmm. tu dois aller verser ça dehors. Dehors. Donc, au su et au vu des voisins, des femmes. Et il y a même une voisine qui m'a regardé, qui a dit, Abigail, hein? Femme nourrit l'homme. On m'a dit ça en 2019. 2023, là, on avait changé de cour. Dans la nouvelle cour, une autre m'a regardé, a dit que c'est quel jour ça a fini. Parce que je lave les habits. Les habits de madame, les habits des enfants, moi-même mes habits. Je suis devenu le babysitter. Je gratte les mamites. Parce que d'abord, je n'aime pas la saleté. Donc, je n'aime pas quand une mamite est... Je gratte sa frère. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit, il y a longtemps que moi, je suis connecté. Hein. Il y a longtemps, il m'a envoyé. J'ai vu liste des candidats. Je suis même pas allé loin. Le diable m'a dit, tu vois, liste des candidats. Il s'est trompé. C'est votre liste quand vous étiez en train de passer le concours. Là. Donc, il n'a même pas lui-même. Le diable voulait ramener la colère. Quelle liste des candidats. Ça, c'est quoi? Quel le frère, il est en train de se foutre de toi. Après, il a dit, regarde toi, là. J'ai jugé cette voie-là. J'ai pris mon calme et puis j'ai lu. Liste des candidats retenus. Retenus pour la fonction d'assistant enseignant chercheur. 2024. Jésus-Christ. Frère, j'ai sauté Jésus-Christ. Jésus-Christ. Là, les voisins devaient entendre le nom de Jésus. C'est ça. Oui, non, frère. Si c'est je suis pasteur à la maison. C'est ça. Je cache mes affaires. Personne ne savait. Cette année, heureusement, vous avez bien fait de dire ça. Je me suis caché. Vous savez pourquoi? Comme on est déjà à la fin, je vais faire un petit feedback pour faire une petite parenthèse. En 2023, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai présenté le concours pour la seconde fois. La première fois, c'était en 2022, j'ai échoué. La seconde fois, en 2023, je suis allé voir un grand de ce pays. Mm-hmm. Pas un ministre, hein, c'est un grand. Je ne vais pas dire le poste. Je suis allé le voir. Puisque quand je faisais mes études, là, les contrats, là, on travaillait beaucoup avec eux aussi. Je suis allé le voir, j'ai dit que je vais passer le concours, mais j'échoue. Donc, il ne sait pas si tu peux m'aider. Il a dit qu'il connaît son cousin, il connaît quelqu'un avec 300 000 francs. Voilà, ça peut marcher. Je n'avais rien, mais des frères de l'église m'ont donné l'argent. Et je devais aller donner cette somme-là pour que mon concours marche. Frère, je suis pasteur. C'est-à-dire que partout où je passe, mon principe, c'est quoi? C'est de gagner. Parce qu'il a dit que je suis ministre de la délivrance, mais je suis aussi évangéliste. Mon principe dans l'évangélisation, c'est de gagner premièrement mes voisins. C'est-à-dire là où je dors. Parce que je me dis que c'est là que mon témoignage se trouve. Et partout, dans toutes les cours où j'étais passé déjà, j'avais déjà gagné mes voisins. Mais c'est dans cette cour-là que je n'ai pas encore gagné. Mais déjà, l'évangile et le témoignage sont déjà bons. Donc, ça me travaillait. Tu vois, tu as eu tous tes diplômes en Jésus. Tu as remporté tes victoires en Jésus-Christ. Pour avoir le travail. Un homme, Jésus à part, ça me travaillait. Est-ce que tu es un pasteur? Donc, le Seigneur venait... me dit que c'est pas bon. Un jour, je me suis mis devant le Seigneur. J'ai commencé à méditer. Dès que j'ai fini de méditer, il y a une camarade qui m'appelle. Elle n'est même pas de la CMCI. Elle avait goûté à la CMCI et puis elle est partie.
Elle dit qu'elle elle était déjà recrutée. Elle dit que elle, son recrutement, là, elle a confié ça au Seigneur. J'entends la voix du Seigneur pour dire que tu vois. Elle n'est même pas de la CMC. Mmh. Elle te dit que de ne pas payer. Elle ne savait pas, il n'a pas dit ça à quelqu'un. Elle dit qu'elle n'a pas payé même. Elle a confié au Seigneur. Mon cœur battait très fort à rompre. Je suis allé voir mon fidèle disciple. Je lui ai avoué mon forfait. J'ai annulé l'opération. Et puis quand j'ai annulé l'opération, le lendemain net, le monsieur m'appelle pour dire que tu es où, pour qu'on puisse te donner l'argent. J'ai menti, j'ai été lâche. Parce que je n'ai pas pu lui dire la vérité que c'est moi-même qui ai renoncé à cause, un, de ma relation avec Dieu, et puis à cause de ce que je vais sanctifier le nom de Dieu dans mes affaires, dans mon emploi. J'ai dit au monsieur que les frères qui devaient m'aider ont dit que non, que eux, ils ne comprennent pas trop bien cette affaire. Donc, j'ai accusé les frères. Je suis allé voir mon faisait de disciples après pour dire que je viens de commettre une grande erreur. J'ai accusé les frères. Mes frères, je n'ai pas eu la force de restituer cette vérité-là au monsieur. Je pense même que c'est hier ou avant-hier. C'est là que j'ai fait un vocal sur WhatsApp pour dire au monsieur que j'ai été lâche, mais je ne peux plus être lâche. Donc je me répands. Parce qu'au moment où je te disais que je ne peux plus aller avec toi pour les 300 000 francs, c'est moi-même qui ai refusé à cause de ce que je suis pasteur et à cause de ce que j'avais consacré toute ma vie. J'ai déjà consacré toute ma vie au Seigneur et je ne voulais pas que un de mes succès revienne à un homme. Ça, c'est clair. Dans tous les cas, on retient que la transparence chasse la folie. Tu reçois la nouvelle, tu reçois même la liste des candidats retenus. Les enfants sont à côté? On a fêté avec les enfants étaient à côté. Les enfants étaient à côté. On a dansé. Donc tu leur as annoncé la nouvelle, ils se sont aussi mis à danser. Et là, je me tourne vers la sœur Alice. Comment toi, tu as reçu la nouvelle? Tu étais au travail? Ou bien tu étais aussi là? Non, j'étais au travail. D'accord. Et c'était mon temps de pause. Entre midi et deux, on se repose. Donc, j'ai éteint la lumière du bureau. J'étais un peu couchée. Je vois mon téléphone sonne. Et le frère m'appelle. Il a commencé à parler en langue. Ton époux? Oui, mon époux. Il a commencé à parler en langue. Directement. Il t'annonce la nouvelle en langue. Oui. Donc, je me dis, c'est une bonne nouvelle. Je me suis assise. Il a dit, oui, allô. Non, il a dit, Jésus-Christ. Bon, en même temps, j'entends, il a dit, oui, c'est quoi? Et il me dit, mon recrutement a marché. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à crier, à sauter. Il a dit, Jésus-Christ. En même temps, ma collègue s'est levée. Elle dit, tu as quoi? Il a dit, non, c'est bon. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. J'ai vu la souffrance, la pauvreté tomber comme ça, vraiment. Alléluia. J'avais les larmes aux yeux. J'ai commencé à couler les larmes. Elle est venue vers moi. Elle dit, c'est bonne nouvelle, va t'asseoir. Et je suis sortie dans la cité, là. J'ai commencé à crier, Jésus, on me demande. J'ai commencé à dire, c'est bonne nouvelle. J'ai dit, oui, c'est bonne nouvelle. Et je suis revenue, j'ai vu ma responsable, je lui ai dit, donne-moi une permission à l'heure là même. Voilà, parce que là, tu ne peux même plus travailler, c'est pas possible. Je ne peux même plus travailler. Si je reste là, je vais faire du bruit jusqu'à vous n'allez même pas travailler. Tu risques d'écrire Jésus-Christ sur la feuille jusqu'à ce que... Sur la feuille. Et elle dit, il faut partir, il ne faut même pas donner explication. Elle dit, c'est bonne nouvelle, il ne faut pas partir, il ne faut pas expliquer. J'ai commencé à courir dans la cité là. Je suis sortie même dans la... Dans le véhicule, je chantais, Jésus, c'est toi qui délivres. Je te rends grâce. Je te bénis. Vraiment, j'étais très contente du travail que le Seigneur a fait, du fait qu'il nous a fait sortir de cette pauvreté. On ne peut pas exprimer vraiment. Vu ce concours qui devait passer, il n'y avait pas l'argent. J'ai commencé à faire la vente des chaussures. Quand j'ai vu que c'était un fardeau que le Seigneur m'avait enlevé, je pleurais. Waouh, ça se sent l'émotion. Jésus est bon. Jésus est bon. De là où vous nous suivez, offrons d'acclamation à ce Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur Jésus qui délivre effectivement, qui fait sortir des hommes de la boue de la pauvreté. Et le Seigneur l'a fait. Nous sommes touchés ici sur le plateau de Vie Transformée, car le Seigneur transforme effectivement les vies. Frère Jacques, le Seigneur Jésus t'a délivré authentiquement. Et là,
tu es devenu enseignant, chercheur, affecté où? À l'université Alassane Ouattara de Boaké. De Boaké. Et là, tu te souviens des paroles de ton frère qui te disait, tant que, je ne sais pas, si tant que tu ne jettes pas la poussière, tant que tu ne cognes pas le front sur le sol, tu ne seras pas recruté. Mon frère m'avait dit ça, mais je vois que pour une seconde fois encore, il a échoué. Frère, je comprends que le diable est un menteur. Le diable est un vrai menteur. Parce que quand il me disait ça, il était rassuré. Il était dans sa gloire, puisqu'il était professeur titulaire. Il avait ses richesses, il avait ses biens. Moi, je ne demandais rien. À la fin du mois, je ne tends pas la main. Mais il m'a dit ça. Et avant moi, il y avait un cousin qui avait reçu son doctorat, qui avait du mal à être recruté. Il a dit que le cousin était obligé d'aller demander pardon à notre défunt père, pour avoir le recrutement. Et il m'a donné les expériences. Il a pensé que ce qu'il dit, c'est une vérité incontournable, une vérité éternelle. Pourtant, moi, j'ai lu dans Apocalypse 19, le verset 9, que les paroles éternelles appartiennent à l'éternel. Donc, je savais que soit... Il y a le commencement et la fin. Très bien. Que Jésus-Christ est l'alpha et il est l'oméga. Que cette vie-là, j'ai lu la Bible. Frère, je n'ai pas assez lu la Bible. Je suis dans ma 11e lecture biblique. Mais j'ai vu que sur les 66 livres de la Bible, il y a deux passages qui parlent de au commencement. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est vraiment important que la Bible commence comme ça. Pour dire que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et dessous les cieux. Que quelqu'un d'autre ne peut pas venir revendiquer la paternité des cieux et de la terre. Quelqu'un ne peut pas. Même Néhémie 9, verset 6 dit, ô Éternel, c'est toi seul qui as créé les cieux des cieux et toute leur armée, les mers et tout ce qu'elles renferment, la terre et tout ce qui est sur elle. Et c'est par ta grâce seule que ces choses existent. Et c'est devant toi, non, Néhémie est bon, hein? C'est devant toi seul que l'armée des cieux se prosterne. Ce passage-là signifie que c'est du bruit qu'ils font. C'est clair. C'est du bruit. Le deuxième passage de au commencement, c'est Jean 1:1. Au commencement était la parole. Ça, au fait, ce passage-là vient nous révéler qui est Dieu en réalité. Le Dieu dans Genèse 1:1 qui a créé le ciel et la terre. Qui il est? C'est Jean qui le révèle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Donc, déjà, je comprends que il n'y a pas Baillé qui est là. Il n'y a pas une divinité dedans. Et puis, il n'y a pas quelqu'un. Même Esaïe a martelé plusieurs fois que Dieu n'a pas eu sommeil à un certain moment pour qu'une divinité vienne créer une partie du ciel ou bien une partie de la terre. Donc, je croyais que frapper la terre, c'est du mensonge. Tant que moi, je suis accroché à Jésus, il va me révéler ce qui ne va pas. Frère, je suis pasteur, mais j'avais la colère dans mon cœur. Et là, ça tombe bien que tu parles déjà de la leçon que tu as retenue de ton histoire. Tu vas regarder la caméra, tu t'adresses à toutes ces personnes qui nous écoutent. Quelle est la leçon que tu as retenue à partir de cette expérience qui a duré, bien évidemment, plus de 24 ans? 24 ans. Frère bien-aimé, j'ai ici l'opportunité de te parler. Je t'appelle frère si tu es déjà chrétien. Mais cher ami, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Le fait d'être chrétien ne signifie pas que tu pries et puis tu es exaucé rapidement. L'idole qui est dans ton cœur peut t'empêcher d'entrer dans les bénédictions et dans les richesses que Dieu t'a données à ta création. Je veux que tu saches que tant que tu protèges cette idole-là, tant qu'elle va te détruire, elle va t'enlever dans la dignité. Parce que la première chose que l'idole vole, c'est quoi?
c'est l'intelligence. C'est ce que j'ai compris. Ça veut dire quoi? La lumière dans ton corps, la lumière de ta vie. Donc, tu es comme quelqu'un qui est hypnotisé. Ça, c'est pour parler du point de vue scientifique, mais quelqu'un qui est envoûté pour parler spirituellement. Donc, tu es comme un hébété qui ne maîtrise pas trop. Et quand tu as la colère, tu es dominé par les enfants. On peut trouver ça dans le témoignage de la sœur Gisèle, où elle disait que quelqu'un lui avait dit que sa couronne se trouve quelque part, mais celui qui était le responsable du lieu, c'était un enfant. Et devant cet enfant-là, elle n'avait pas la stature gauche. Elle devait ramper. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la colère rabaisse. Ça rapetit l'homme. Ici, ton intelligence est bannie. Vous comprenez ça? Tu enlèves la colère. Tu enlèves l'idole. Moi, pour moi, c'est la colère. Pour toi, je ne sais pas. Ça peut être la justification. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être la méchanceté. Et puis, les idoles, là. Il y a une idole principale à laquelle sont rattachées toutes les autres idoles. Donc, il ne faut pas prier comme moi je faisais avant. Où je faisais colère, nervosité, rancune, réserve, manque de pardon. Et je ne priais pas avec fardeau. Si tu as le livre de Gethsémané du pasteur Meunier, il faut le lire. C'est un tout petit livre comme ça, mais c'est une richesse de Dieu. Tu lis ce livre-là, ce livre-là va t'entraîner à prier pendant longtemps. Il faut prier pendant des heures. Pourquoi? Parce que même dans le combat spirituel, ce qu'on a retenu ici avec les témoignages, c'est que même avec l'ange, le démon résiste. Dans le témoignage de la sœur Audrey, il a fallu que le feu, la puissance du feu descende sur le démon et que le démon capitule. Ça veut dire que même avec l'ange, il lutte. Il faut prier longtemps. Il faut supplier longtemps. Je t'en prie. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de perdre ton temps à vilipender tes bénédictions et tes richesses aux esprits de ta famille. Et toi qui es chrétien, toi qui es pasteur, peut-être que tu es pasteur pendant des années, peut-être que tu es à la CMC, peut-être que tu es converti avant moi, peut-être on te concède le temps de conversion, mais n'oublie pas de renverser les idoles. Les maladies que nous avons sont des maladies démoniaques. Les cœurs, les organes que nous avons, souvent viennent des sorciers et des démons. On t'enlève tes vrais organes et puis on te donne de faux cœurs. Le cœur bat à un rythme anormal. Quand tu es en colère, il faut régler le problème des idoles. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu touche ton cœur pour que la conversion soit radicale. La repentance doit être vraie. Vraie. Parce que le royaume des cieux existe. Mais l'enfer aussi existe. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et là, on donnera aussi cette opportunité à Alice de s'exprimer. Quelle leçon tu tires de cette expérience? Partage cette leçon aux téléspectateurs de façon succincte, bien sûr. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Il faut dire que à ceux qui nous ont écoutés et qui nous écoutent, le Seigneur a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Il dit que le Seigneur, je ne tarde pas à l'accomplissement de ma promesse, mais ne voulant pas qu'aucun périsse, il tarde à l'accomplissement de sa promesse pour la radio. Pour que tous parviennent à la repentance. Oui, merci bien. Donc, vous qui nous écoutez, vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, il est temps maintenant de donner votre vie au Seigneur, car c'est le Seigneur qui délivre de la pauvreté. C'est le Seigneur qui, lorsque tu travailles et que tu enlèves les idoles de ton cœur, le Seigneur vient en hâte à ton secours et il vient renverser tout ce qui te tracassait et tout ce qui t'empêchait de pouvoir évoluer. Le Seigneur renverse et il te donne la victoire sur l'ennemi. Il nous donne la victoire sur les idoles. Donc vraiment, c'est le message que je voulais partager. Amen. Merci beaucoup, Couple Blé. Merci d'être passé sur le plateau de Vie Transformée. Merci pour ce riche témoignage qui a sûrement délivré plus d'un. Plusieurs personnes ont été délivrées
Et je pense que si certains, le combat était limité entre l'homme et la femme, même les enfants seront intégrés. On comprend par là que même les enfants de 2 ans peuvent jeûner quelques heures. Les enfants de 5 ans peuvent jeûner. Chacun peut s'investir dans le combat. Et la victoire est certaine, la victoire est assurée. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci beaucoup. OK. Très chers téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de ce numéro, un numéro très riche, un numéro qui vous plonge dans la délivrance totale et authentique, non seulement de la colère, aussi de la pauvreté. Ce que je retiens, il y a plusieurs leçons. Le frère Blé pouvait suivre juste les pas de son frère en faisant allégeance aux idoles, aux fétiches, aux faux dieux. Mais il a décidé de demeurer en Christ en gardant la foi malgré ses épreuves, ses difficultés. Mais il est resté attaché à Dieu, cherchant la cause de son problème. Et le Seigneur, qui n'abandonne pas ses enfants, lui a révélé la cause de son problème. La prière a été faite, le jeûne a été engagé, la bataille a été engagée. Et voici, le résultat est positif, total, c'est la joie. Vous l'avez entendu, nous en tant qu'enfants de Dieu, pour ceux aussi qui nous suivent, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus, il est nécessaire de rechercher la délivrance. Nous avons certes donné nos vies à Jésus, mais il ne faudrait pas du tout rester passif. Le renversement des principautés personnelles et familiales est donc une arme puissante qui nous permet de combattre et entrer en possession de nos héritages. Alors restons très concentrés et combattants. Le Seigneur nous assure la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci d'avoir suivi ce numéro de Vie Transformée. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.